Salut à tous, c'est Romain 12. Comment allez-vous? Moi ça va. Donc nous sommes sur notre deuxième let's play sur Pokémon Or que je publierai en même temps que Wario Land 4. Donc cette vidéo là c'est un petit peu la septième fois que je la fais, parce que je me suis gouré pas mal de fois. Il y a un Pokémon que je voulais, où je me suis rendu compte qu'il était que dans la version cristal. Un autre que je voulais et je me suis rendu compte qu'il n'apparaissait que le matin. Évidemment, c'était la nuit. Et un autre Pokémon qui, quand il évolue, il apprend une attaque et j'ai oublié de le faire évoluer. Donc enfin bref, je refais cette vidéo là un petit peu en mode... On n'est pas lundi, on n'est pas dimanche. Un petit peu en mode blasé, mais... Ça va aller parce que vous la regardez, donc j'en suis déjà très 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 content. Ça me fait plaisir de voir qu'il y ait quelques vues sur mes vidéos. C'est très très encourageant. Alors, dans Pokémon Or, j'ai toujours pris Hérisson parce que c'est le Pokémon avec lequel j'ai terminé le jeu la première fois. Sauf que dans cette partie là, je ne vais pas utiliser Hérisson du tout. Juste pour le début, jusqu'à ce que je rattrape le premier Pokémon. Et après, après je laisserai dans le PC. Hein. J'espère que ça vous dérange pas le fait que je fasse ça. Parce que pour moi, les starters, je les ai tellement pris que maintenant, ça y est. Une gaffe quoi. Je préfère prendre les Pokémon dans les autres hermes, faire une équipe que j'ai avec des Pokémon que je prends vraiment pas souvent. Et continuer l'aventure comme ça quoi. Parce que là je me suis déjà fait une équipe à peu près de 6 Pokémon. Je leur donnerai pas de surnom parce que comme vous êtes quelques abonnés et que vous êtes venus tous pratiquement en même temps et que vous êtes tous actifs, ce serait plus privilégié les uns par rapport aux autres. Donc je préfère attendre. Si jamais je fais un autre let's play sur Pokémon, eh ben il y aura des noms d'abonnés, c'est sûr. Donc étant donné que c'est la 16e fois que je fais cette vidéo là, je connais par cœur le début. Je sais que je serai à la ville tout là-haut là, après la grotte Moenit je crois, vers 12 000 de vidéo. Mais je m'arrêterai parce que je sais pas. Je sais pas si si c'est correct que je continue. Donc on s'arrêtera là et puis de toute façon on s'arrêtera sur l'évolution de mon premier Pokémon. Donc voilà, là c'est le professeur Shen, je crois, qui vient de donner un 9 mystère que je devrais remettre au professeur Orm. Donc là il m'appelle, il me prévient qu'il y a eu une terrible catastrophe. Un de ces Pokémon en laboratoire a été volé par un mystérieux garçon qui les espionnait. Je sais pas si vous avez remarqué. Je vous montrerai où il était. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça il y a pas longtemps. Hier justement, parce que hier j'ai essayé d'enregistrer des vidéos jusqu'à 1h du matin. Et à chaque fois il y avait un gros fail, donc j'ai toujours dû recommencer. Mais maintenant ça va, je pense que je suis bien parti, je fais vachement attention. Donc voilà, on soigne nos Pokémon et on va se battre contre 3 points d'interrogation. Voilà. Évidemment, il a pris le Pokémon ascendant sur le mien. Mais à ce niveau-là, il n'a pas encore l'attaque pistolet. Et moi, quand j'ai pris mon Pokémon, j'avais une baie sur mon Pokémon. Lui, j'ai remarqué qu'il n'a pas de baie. Le Kaiminus. Donc voilà. Il faut que j'aille trouver le Pokémon, le professeur Orm, lui remettre, on va passer par là, lui remettre l'œuf mystère. Son assistant me donnera des Pokéballs et je pourrai capturer enfin mon premier Pokémon. Donc, je ferai pas d'ellipse quand j'attraperai le Pokémon. Mais une fois que je l'aurai attrapé, j'en ferai. Je vous expliquerai pourquoi. Alors. Voilà, hop, on parle. Je viens de voir la police là. Et ça me fait penser que
Bah, vous avez tous à peu près mon âge, donc 17, 18, 19 ans. Et j'aimerais savoir si vous avez une idée claire de votre métier plus tard ou si vous avez une orientation. Parce que moi, je suis à la fac et c'est vrai que je me tâte un petit peu. Et pour les réorientations, c'est bientôt. Donc il faudrait que je me dépêche un petit peu. Donc si vous avez des idées, vous, bah, ce serait super sympa si vous les partagez avec moi. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je veux pas faire un métier. Oh non. Je veux pas faire un métier extraordinaire non plus, hein, genre journaliste ou un truc comme ça. Moi, ça me branche pas trop. Je préfère faire un petit métier où, tu vois, on bouge, qu'on n'est pas toujours derrière un bureau. Voilà, donc on va en direction du premier Pokémon que je vais attraper, qui est un Chenipan. Ouais, comme ça, j'espère avoir un Papillon. Bon, il aura toujours choc mental et puis ce sera surtout un Pokémon vol. Le seul Pokémon vol que j'aurai. Donc voilà, on va se laisser une fois que j'aurai capturé le chenipan. Non, pas femelle. Dès que j'ai un chenipan mâle. Ah, oh, puis non, on s'en fout. Oh, j'aurais dû le prendre. Non, il a que armure lui. Donc, oh putain, pourquoi j'ai fait la connerie de fuite. Oh. Bref, allez. Ah, c'est bon. Bon, on va prendre chenipan femelle, tant pis. On aura un Papillon femelle. Ah, c'est pas plus grave, hein. Donc voilà. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a pas? Et donc voilà, Chenipan est attrapé. Je vous laisse après une petite ellipse, le temps que j'entraîne Chenipan niveau 6, presque 7. Et on se reprend. A tout de suite. Nous revoilà. Donc Chenipan est au niveau 6, bientôt 7. Il va bientôt évoluer. Juste un combat. Voilà. Donc, après l'évolution, je referai une petite ellipse, je suis désolé. Jusqu'à ce que je le monte au niveau 9. Donc, s'il te plaît, dépêche-toi. Voilà, merci. Et voilà notre Grisacier. Ce qui est sur la gauche, c'est son nez. J'ai jamais remarqué. Enfin, voilà. C'est pas le sujet. Voilà, Grisacier à point armure. Je vous laisse, à tout de suite. Re tout le monde, donc ça y est, Grisacier est niveau 9, il est bientôt niveau, enfin non il est pas bientôt du tout niveau 10, mais il évolue au niveau 10, donc faudra bien que je fasse attention à le faire évoluer et pas appuyer sur B, parce que à la partie que j'ai enregistrée d'avant, c'est la connerie que j'ai faite, j'ai, en laissant le doigt sur l'accélérateur un peu trop longtemps, j'ai appuyé sur B en même temps, et donc du coup ça a empêché l'évolution. Alors que quand on laisse évoluer, Grisacier au niveau 10, il apprend choc mental. Et là, j'ai essayé au niveau 11, il apprend pas. Donc c'est pour ça que là, il faudra que je fasse particulièrement attention. Concernant les passages en accéléré, j'espère que ça vous dérange pas. Parce que c'est vrai que je fais pas mal d'accélération abusive, là, on va dire. Ah, pourquoi je fais ce Pokémon là, moi? Vas-y, bref. Je fais pas mal d'accélération parce que j'ai encore la limitation à 15 minutes, donc j'essaie de gagner un maximum de temps. Donc j'espère que je vous fais perdre un minimum de plaisir, on va dire. Et oh là 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 là, est-ce que je vais up ou pas? Ouais, normalement c'est bon. Alors, est-ce que j'ai une potion? On sait jamais. Pas de potion, j'ai pas de baie, je suis un peu à la dèche. Maman, elle m'appelle toujours au mauvais moment. Là, elle demande si elle veut économiser de l'argent pour moi, donc je vais dire non, parce qu'à chaque fois, elle achète n'importe quoi avec mon argent. Donc, on va pas économiser du tout. On va pas faire des combats, on va attendre d'évoluer niveau 10. Par contre, ce qu'il me faudrait, c'est un Jetiflor. Donc, alors, hop, Pokémon. Et récendre pour le dernier combat qui va sûrement. Ah non, c'est pas le dernier. Oui, on va changer de Pokémon. On a un bel Grisacier. On rechange. Attendez. Ah, pardon. Voilà. Donc. Voilà, hop, c'est bon. Grisacier est niveau 10. Il va évoluer. Donc, je touche plus. Je vais arrêter d'appuyer sur l'accélérateur tout à l'heure, là, juste après le combat. Voilà. Donc là, Grisacier va évoluer. On aura notre premier Pokémon
de la team, qui est insecte vol, donc bon, il a pas mal de faiblesses, mais c'est pas grave. Et voilà notre papy illusion. Donc il approche le choc mental au niveau 10. Que tout à l'heure, hein, oh bah alors lui, vas-y. Voilà. Bon, maintenant il faut un petit jetiflore. Hein, parce que voilà quoi. Oh, pas Rookool. Rookool, j'ai horreur de ce Pokémon. Pourquoi? Parce que ce Pokémon là, il fait que d'attaquer. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Donc il vous fait perdre un maximum de points de vie. Et les allers-retours au sein de Pokémon deviennent un véritable enfer. Voilà. Donc on a Chitiflor. On fait charge. On va l'attraper. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il sera pas dans mon équipe. Le prochain Pokémon que je vais attraper, c'est un Pokémon qui se trouve après le badge. Donc le premier badge. Voilà, donc lui il demande un Onyx en échange d'un Chétifort. Mon Chétifort est donc niveau 3, Onyx sera niveau 3. Voilà, donc il est niveau 3. Oh putain, oh, putain, c'est quoi ce surnom quoi, Rocky? Il est dégueulasse, vas-y. Ah oui, tiens, un objet. Alors. Ben merde. BMR, ça doit soigner la paralysie, je crois. On va vérifier, j'ai pas envie de dire de conneries. Voilà, c'est ça. Il soigne bien de la confusion, c'est ce que j'ai dit. Donc, on soigne les Pokémon. On va s'arrêter ici, je suis désolé. À côté d'elle. Et bah, dans la prochaine vidéo, on fera le badge. Je verrai tout ce qu'on peut faire. Coucou. Et puis, bon, bah, je vous laisse. Hein. Bonne semaine. Ciao, bye bye. Reviens là, à côté.